vous encourageons sur cette chaîne à cultiver et à transformer votre production en général. Nous vous encourageons également à consommer ce que nous produisons sur le continent. Donc, produire local et consommer local. Nous allons plusieurs fois par mois sur AgriTV Web vous proposer des vidéos pouvant vous donner des idées de recettes incluant les produits issus de la transformation de notre production. La présente vidéo, donc la première, est dédiée à un des produits issus de la transformation du manioc qui est le gari. Le gari étant une semoule de manioc. Dans la présente vidéo, nous vous proposons deux façons de préparer et consommer le gari. Une façon de le consommer comme repas chaud que vous pouvez servir lors d'un déjeuner ou lors d'un dîner. Il s'agit du gari sauté. Une autre façon de le consommer comme en cas, notamment sucré. Donc le gari préparé sucré. Un chef cuisinier, M. Étienne, a accepté de nous accompagner et nous présenter sa recette de gari sauté aux crevettes. Sachant qu'il existe des variantes, gari sauté à la sardine, au poisson ou à la viande. Donc nous avons dans cette recette opté pour vous présenter le gari sauté aux crevettes. De la même façon, consommé comme en cas, nous avons opté pour le gari sucré aux cacahuètes et au citron. Bonjour, bonjour, moi c'est Étienne, Soken Étienne Jonas, chef cuisinier, maître d'hôtel et service traiteur, maître de service traiteur également. Aujourd'hui, je vous présente un menu spécial, le gari sauté aux crevettes plus champignons. Donc, la recette, allons-y. Là, j'ai fini de découper le poireau déjà.
on doit déposer et attaquer les oignons. Je prends les oignons. On est là. On doit découper en gros julienne. C'est bon, on doit charmer, on doit déposer. On attaque avec le poivron vert. Là, on doit découper un gros. On va découper maintenant le petit poivron rouge. On a juste un tout petit. C'est bon. On va maintenant découper la tomate. Également un poudre. Un gros dé plus la recette, une recette autre. On a besoin de voir des légumes dans notre repas qui fera aussi une bonne présentation du repas. Et ces légumes aussi, c'est important de les croquer. On doit sentir les légumes dans la bouche, ça doit être pâté. On conserve tout sa vitamine. On découpe deux citrons, on enlève les pépins. Là, je sale d'abord l'eau. Je remue pour que ça soit en grain. Ok, c'est bon, on va laisser gonfler. Bon, phase de préparation, nous allons mettre un peu d'huile. On doit d'abord mettre les crevettes. Un peu de poivre.
quelqu'un. Je mets du citron avant d'enlever les crevettes. Là pour avoir tout ce qu'on met, le goût du citron et mets un peu le goût fort des crevettes. Là ça a séché, on peut enlever déjà. Un piment frais ou écrasé. Normalement, je préfère du piment frais. Mais la recette est faite sans piment. Nous allons patienter quelques minutes. Nous allons patienter 5 minutes environ, que ce soit en tenant de temps en temps. Nous allons enlever. Nous allons retirer notre sauce aux légumes.
nous devons mettre deux tranches de citron. Pour élever plus le goût et sentir cet arôme. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons vous présenter la deuxième recette. Cette deuxième recette, c'est la façon la plus connue de consommation du gari dans beaucoup de pays. Cette deuxième recette, en fait, c'est une recette très facile. Ce n'est même pas une recette en soi. C'est une façon de consommer du gari qui est la plus connue. Et c'est à cause de ce moyen de consommation qui est très facile que le gari a été surnommé le sauveur dans beaucoup de milieux, notamment les milieux estudiantins. Le sauveur parce que pour consommer le gari de cette façon-là, vous n'avez pas besoin de four, de feu. Vous avez juste besoin d'eau et de sucre. Maintenant, si vous voulez sophistiquer un peu plus, vous pouvez rajouter à la place du sucre, du miel ou des sucrètes. Et vous pouvez faire un peu de fantaisie, mettre des arachides grillés, des arachides sucrés qu'on appelle caramel. Bref, vous pouvez faire un peu de fantaisie pour consommer le gari de cette façon. Donc, c'est un moyen de consommation simple que vous pouvez prendre en encas. Maintenant, nous allons laver le gari pour enlever toute la saleté, les impuretés qu'il y a dessus. On augmente de l'eau pour que tout ça puisse sortir. On a reversé pour une deuxième fois. À cette étape, vous pouvez mettre de l'eau glacée ou les glaçons, ça dépend de l'eau. Nous allons mettre du sucre. Que 6 morceaux de sucre et vous pouvez sucrer à votre convenance, tout dépend de vous. À la place du sucre, pour ceux qui ne consomment pas de sucre, vous pouvez utiliser du miel ou bien du lait et les sucrètes comme la stevia. Là, nous avons mis du sucre, ça peut se consommer comme ça sans rien ajouter. Maintenant nous augmentons du citron, là aussi vous pouvez la consommer juste sucre et citron. Nous allons ajouter des cacahuètes. Ok. Le dosage suffit ainsi. Nous prenons. Et puis c'est prêt à consommer. Nous espérons vous avoir donné envie non seulement de cultiver le manioc, mais également de le transformer en gari. Rappelez-vous, il y a deux sortes de gari. Le gari jaune, où on intègre de l'huile de palme, et le gari blanc, qu'on grille sans huile. Nous espérons également que nous serons encore plus nombreux à consommer le gari, et ceci encore plus fréquemment. Consommer local doit devenir vraiment un devoir citoyen. C'est parce que nous serons nombreux à valoriser et à consommer nos produits locaux que les agripreneurs auront envie de s'investir dans leur production, réduisant ainsi les importations des produits des autres. Restez-nous fidèles, nous allons vous présenter d'autres recettes autour d'un ou plusieurs produits issus de la transformation de ce que nous cultivons. Nous vous incitons à partager nos vidéos afin de toucher le plus grand nombre. Depuis un moment, nous avons du mal à toucher nos fidèles internautes parce que notre page est restreinte, nous ne comprenons pas pourquoi. Donc, nous vous serons infiniment reconnaissants de partager nos vidéos sur vos différentes plateformes afin que ces contenus,
que nous travaillons à vous produire puisse impacter le grand nombre. Merci également de liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.